Comment suis-je resté après la fameuse étude de notre petit et grand monde? Quel sentiment j'ai eu après? Désespoir? Inquiétude? Est-ce que cela suffit d'avoir des biens pour être heureux? Puis-je être tranquille tant que je vois des gens qui souffrent? Mais nous avons au fond du cœur un autre espoir. Alors, lequel? L'espérance reste déjà une grande clé. L'espérance du royaume de Dieu annoncé par Jésus. Ce royaume que nous pouvons vivre déjà maintenant. Car l'espérance ne se vit guère au futur, mais déjà maintenant. Saint-Pierre, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Pourquoi rester à regarder le ciel? Jésus était bien présent dans son temps avec le peuple pour établir le royaume de Dieu. Alors, que s'est-il passé avec les apôtres après sa mort? Jésus les quitta pour retourner vers son Père. Découragement, déception, fuite, le retour en Galilée. Dans le fond, les apôtres n'avaient pas encore compris grand-chose. Cela ne suffisait pas de connaître tous les enseignements de Jésus. Nous lisons dans les Actes des apôtres. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Puis ils s'en retournèrent à Jérusalem, où ils s'enfermèrent, perdus, découragés. Ils priaient, et profondément. Mais après, sans Jésus, qu'allait-il devenir? Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit « Mont des Oliviers » qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous
d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Nous, les encadreurs, que faisons-nous quand on sent et observons le découragement chez nos enfants et jeunes, dans le groupe et en nous-mêmes? C'est l'Esprit Saint qui leur fit comprendre tout ce que Jésus leur avait enseigné et qui va les pousser, les accompagner vers la mission que Jésus leur avait laissée. Aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et les apôtres, poussés sous la lumière de l'Esprit Saint, s'en vont vers toutes les régions du Moyen-Orient. Finis les peurs, les incertitudes. C'est plus fort qu'eux-mêmes. C'est le besoin d'annoncer. Avec conviction, une foi vivante, le Christ est avec eux. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Beaucoup de gens écoutent. Quelque chose bouge dans leur vie. Ils se convertissent. Leur cœur s'ouvre. Le Christ vit en eux. Ils demandent le baptême. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Actes des Apôtres. L'Esprit Saint les devance, les accompagne. Les baptisés ressentent le besoin de se rencontrer. Nous lisons dans l'acte 2e chapitre. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Dans le chapitre 4, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph,
surnommé Barnabé par les apôtres, qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Il y a donc une soif ardente d'écouter la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Il y a la fidélité à la communion fraternelle et le partage avec les nécessiteux. Il y a aussi l'assiduité à la prière communautaire et à la fraction de pain. C'est la naissance des premières communautés chrétiennes. Les apôtres animent ces communautés par leur présence, par des lettres, par leurs prières, des conseils, des sanctions, des reproches, des enseignements, des encouragements. Acte 14, 22. Il s'affermissait le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Et ces communautés se consolident. Les apôtres auxquels Jésus avait révélé les mystères du royaume, ces hommes que Jésus avait initiés. Nous écoutons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 13. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Il contredisait les paroles de Paul et l'injuriait. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations. » Pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Les apôtres ont osé organiser avec les nouveaux chrétiens de l'Église naissante ces nouvelles communautés. Et sans peur, ils ont fait face avec courage aux outrages, aux rejets, aux déportations, à la prison. L'Esprit Saint agissait en eux en toutes circonstances. Jésus avait eu sa propre communauté avec les apôtres, mais jamais il n'avait organisé des communautés chrétiennes. Nous avons lu dans Actes 4 comment les gens mettaient leurs biens en commun. Les apôtres étaient éclairés par l'Esprit Saint. Ce sont ces apôtres, avec les chrétiens, qui ont su capter cette nécessité des communautés dans l'Église naissante. Oui, une nouvelle structure était apparue, tout en gardant fidèlement la bonne nouvelle de l'Évangile qui touche les cœurs de chacun et de tous. Sans la manipuler. Ces communautés vivaient quelque chose de nouveau. Les gens y trouvaient un sens à leur vie. Le bonheur, la fraternité. Nous disons dans Jacques 2, « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver ?
Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. Convaincus que le Christ vivait en eux, ils étaient donc un don de Dieu pour les autres. Ce sens se découvrait, plus ils se mettaient au service des frères et des autres. Les apôtres qui avaient goûté le sens fondamental de l'union fraternelle avec Jésus comprennent la nécessité de ces communautés qui veulent vivre leur foi, leurs engagements à suivre le Christ. Chacun suivant son charisme, suivant ses dons, les grâces qu'il reçoit. Nous lisons dans la première lettre aux Thessaloniciens, « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Non pas en solitaire, mais en solidarité, ensemble, afin de construire déjà le royaume de Dieu, le monde meilleur. Nous lisons dans Colossiens 1, « Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toute chose. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu, le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Les apôtres rapportaient tout ce que Dieu faisait par eux. Nous lisons dans l'Acte, chapitre 15. « Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Et de la même manière que... » Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi la nation. Les questions, les controverses, les problèmes, les joies, les difficultés, tout se partageait dans l'Église avec les apôtres qui priaient et cherchaient la volonté de Dieu. C'était cela le discernement. L'Esprit Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Les apôtres vivaient avec tous les chrétiens la synodalité. Ils étaient témoins. Nous lisons dans la lettre aux Philippiens, « Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas connu pour rien, ni peiné pour rien. » Dans la première lettre de Saint Pierre, « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. » Ainsi, sur le point même où ils disaient du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. » Nous continuons dans Actes 22, 20. « Et quand on versait le sang d'Étienne, ton témoin, je me tenais là moi aussi. J'étais d'accord et je gardais les vêtements de ces meurtriers. » Ils étaient témoins et des chrétiens fidèles engagés. Lisons dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu. Par beaucoup d'endurance, dans des détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise ou la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Pour vous, Corinthiens, notre bouche a parlé ouvertement, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas allés droit chez nous, c'est en vous-même que vous êtes allés droit. Je vous le dis parce que vous êtes mes enfants. Payez-nous de retour, élargissez votre cœur, vous aussi. Ne formez pas d'attelage mal assorti avec les non-croyants. Quel point commun peut-il avoir entre la condition du juste et l'impiété? Quelle communion de la lumière avec les ténèbres? Quel accord du Christ avec Satan? Quel partage un croyant avec un non-croyant? Par la prière, il choisissait les nouveaux responsables. Actes des Apôtres, chapitre 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que des veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui sont estimés de tous, remplis d'esprit saint et de sagesse.
et nous les établirons dans cette charge. Et en ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. La bonne nouvelle était annoncée à tous et aux païens. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La bonne nouvelle était annoncée à tous et aux païens. Nous lisons dans la lettre aux Éphésiens. Vous qui autrefois étiez païens, traités de non-circoncis par ceux qui se disent circoncis à cause d'une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc qu'en ce temps-là, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Les deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Nous avons vu jusqu'ici comment l'Église a eu sa fondation avec les premières communautés chrétiennes. Et c'est à partir de ces communautés qui ont été missionnaires et rayonnantes que l'Église, de génération en génération, a chaque fois trouvé des nouveaux chemins ou façons d'annoncer et de rayonner la foi. Par exemple, la création des paroisses. Et
en profondeur, nous pouvons dire que les saints y étaient présents, et cela depuis 2000 ans. Et nous, encadreurs actuellement, fidèles à Jésus, nous vivons présents au cœur du monde qui est en mutation, notre monde bouleversé par d'autres situations sociales, d'autres styles de vie, d'autres conceptions dans la vie, d'autres valeurs qui ne sont pas celles d'hier, où il y a d'autres intérêts, d'autres façons de penser. Mais au-dedans de ce virage de l'histoire de l'humanité, l'Esprit nous guidera toujours pour créer ces nouveaux gestes d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle auprès de ceux qui ont faim et soif d'amour, de justice, de joie de le connaître, d'être sauvés et de le vivre nous-mêmes. Nous en venons maintenant à la réflexion. Dieu a toujours un plan d'amour, un projet de vie avec chacun et chacune de nous, mais aussi avec les enfants et les jeunes de nos groupes et mouvements. Dieu vise très loin pour nous tous, pour un bonheur personnel avec celui de l'humanité. C'est un peu comme de l'impossible à notre entendement. Mais nous voyons le texte de l'appel de la Vierge Marie. Dans Saint Luc au premier chapitre, nous pouvons reprendre ce rêve de Dieu pour Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils. » Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans la vieillesse et elle en est à son sixième mois. Elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ainsi, à présent, à nous tous de rêver avec Dieu ce rêve merveilleux pour notre groupe, notre mouvement des enfants et des jeunes, pour nos enfants et nos jeunes d'aujourd'hui vers le futur d'un monde meilleur. Ils le vivront en espérance. Ainsi, pour trouver notre rêve pour notre pastoral des enfants et des jeunes, il faut le chercher, le réfléchir, mais le prier aussi. Alors, essayez d'exprimer votre rêve merveilleux de Dieu, celui d'une grande espérance
qui se vivra déjà dans votre groupe ou mouvement. Ensuite, une fois que vous avez le rêve, vous désirez cela, vous créerez, vous pourrez composer avec les autres encadreurs de votre groupe ou mouvement, de la pêche, de la pastorale des enfants et des jeunes, soit la chanson, soit une photo, un clip, un dessin. Vous pouvez créer quelque chose, une petite pièce de théâtre, le rêve de Dieu pour votre groupe. Les enfants voient le monde de demain, mais ça passe par Dieu. Nous avons vu dans le petit monde que c'était les enfants qui voulaient coûte que coûte, nous, encadreurs, peut-être donner tout de suite une réponse au monde. Non, maintenant, passons par le Seigneur et l'Esprit nous éclairera sur ce futur et nous donnera également la force. Nous voyons tout simplement, pour répondre déjà à cette question, une belle photo que Père André avait enfouie quelque part et qui nous est tombée dans l'ordinateur et que nous pouvons vous la partager. Quand le Père André était déjà père missionnaire ici en Afrique, il s'occupait d'Exavérie. Et voici ce qu'il nous dit. C'était aussi comme l'expression d'un rêve de Dieu que nous avions tous au fond de nos cœurs. Enfants et jeunes devenant de saints, enfants et jeunes devenant de saints, enfants, enfants et jeunes devenant de saints, enfants et jeunes devenant de saints. Notre Seigneur, devenons de saints. Évitons la discorde, devenons de saints. La jalousie et la haine, devenons de saints. Évitons les intimes valeurs, devenons de saints. Enfants et jeunes, devenons de saints. Enfants et jeunes, devenons de saints. Et le pape François a aussi rêvé avec nous. Il a rêvé avec nous à Kinshasa, dans la RDC, il n'y a pas longtemps et nous le retrouvons ici. Un rêve de Dieu. Devenons bâtisseurs d'un nouvel avenir. Avec la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon, la petitesse, le service. Enfants et jeunes devenant des saints, enfants et jeunes devenant des saints, enfants, enfants et jeunes devenant des saints, enfants et jeunes devenant des saints, enfants et jeunes devenant des saints. Mais pas François notre Saint-Père, devenons des saints. Par la métaphore des cinq doigts, devenons des saints. Nous esprits les privilégiés, devenons des saints. Le pouce, la prière, devenons des saints. Le nex, la communauté, devenons des saints. Le majeur, l'honnêteté, devenons des saints. L'annuleur, le pardon, devenons des saints. Le lutteur, le service, devenons des saints. Enfants, enfants et jeunes, devenons des saints. Enfants et jeunes, devenons des saints. Alors voilà, durant ce dernier thème de notre session des encadreurs, nous pouvons dire un grand merci à l'animateur pastoral Dominique Ntantu Mfuisani. Il participe aussi à notre session de formation, mais nous ne savons pas, nous pensons qu'il n'a pas le réseau. Nous avons pu puiser ses dessins dans les manuels de la pastorale des enfants et des jeunes du diocèse de Kolé. Il y a les manuels Nous les petits, les Toto, Minzoto, Mbotete, En route les cas, avec les quatre voyages des cas, les cinq guides
Pej et le film de la jeune Anwarit Kambanjambe qui a donné sa vie à Dieu. Dominique a toujours eu son cœur et le souci pour les réalisations d'une pastorale des enfants et des jeunes. C'est une occasion pour le remercier parce que la Pej est aussi un rêve de Dieu et il l'a vécu intensément. À tous, pour le moment, on termine ce thème-ci. Il y a encore un autre thème qui vient et qui sera très important. Mais celui de la session en tant que session, celui-ci est le dernier. Mais nous en avons un pour la semaine prochaine. Merci et amani à tous.